On est un petit peu en surchauffe du bitcoin. Alors, il y a des personnes qui disent, ouais, Julien, il est trop bullish. Bref, je pense qu'en ce moment, c'est le moment. Ethereum a passé la barre symbolique des 2000 dollars. Faut s'attendre à une possible chute. Et oui, tu l'as bien vu dans le titre de ma vidéo, deux derniers mois. Il te reste deux mois. Je vais parler pourquoi le compte à rebours a commencé. Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir dans la crypto? Quelle est la stratégie à mettre en place? Quel est le mindset? Et pourquoi je pense que c'est ta dernière chance pour investir au bon moment? Mais surtout, je vais te faire un avertissement. Attention à la chute. Pourquoi on peut s'attendre à une chute imminente? Et pourquoi en ce moment, justement, on connaît pas cette chute là? On va en parler. On va parler également des prochaines cryptos, les prochaines catégories de cryptos sur lesquelles il faut investir et surtout comment Va se déverser l'argent, comment l'argent va passer d'une main à une autre. Et je pense que si tu es investisseur crypto et si tu veux en gros essayer de voir un petit peu l'avenir, et eh ben surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un petit peu mon sentiment général. On va regarder un petit peu les graphiques. Donc je pense que cette vidéo va t'intéresser. Donc reste vraiment jusqu'à la fin. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais avoir ton avis un petit peu sur le sentiment général en ce moment sur le marché de la crypto. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une correction? Est-ce que tu penses qu'on va pumper? Est-ce que tu penses qu'on va avoir un bull run avant le Alvin ce qui est en général? Pas le cas. Bref, mets-moi en commentaire pour avoir ton retour. C'est important d'avoir le retour de la communauté. Mais ne perdons pas de temps, tu sais, ici, eh bien, j'essaie de te partager des informations, des charts, des graphiques hyper intéressants pour avoir une sorte de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal, hein. je suis juste un mec lambda et tu sais, ça fait trois ans que je suis dans la crypto. Et que je te parle crypto, finance, investissement. Et d'ailleurs, ça va faire les trois ans le 20 novembre dans une semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça Tu me le dis en commentaire si tu veux qu'on fête ça d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, moi, c'est un réel plaisir chaque semaine d'être... Là, de partager, de partager un petit peu mon sentiment. Et si tu es là depuis quelques mois, je pense que tu es plutôt gagnant sur ce qui s'est passé parce que je suis quelqu'un d'assez bullish. Alors, il y a des personnes qui disent Ouais, Julien, il est trop bullish, il est trop optimiste pour le marché. Finalement, en fait, le marché a suivi un petit peu ce que je pensais. Et justement, on va en parler. Quelles sont mes prédictions pour les prochaines semaines, les prochains mois Et je te parlais depuis maintenant deux semaines et surtout la semaine dernière de l'alcon season. Les alcoons ont connu une grosse poussée ces derniers jours. Là, en ce moment, on connaît une petite stagnation. Je ne sais pas à quel moment tu regardes à cette vidéo là mais effectivement on a une sorte de mini alcohol season même si je pense que c'est rien par rapport à lorsqu'on connaît un bull run et lorsque le bitcoin passe son ATH et ensuite c'est l'Ether ensuite c'est les alcoins bref en ce moment je pense qu'on est au tout début et que c'est encore le moment d'investir donc je t'avais partagé la semaine dernière justement pour parler un petit peu des alcohol season et tu vois qu'à chaque fois qu'on casse vers le bas cette limite de la dominance de l'USDT alors oui il on regarde pas la dominance du bitcoin mais de l'USDT et ben en général on connaît une Alcon Season qui peut être encore plus prononcée dans les prochains jours, mais surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un, un warning. Et justement, je vais en parler dans cette vidéo pourquoi il faut s'attendre à une possible chute. Mais si on regarde un petit peu sur Code Market Cap, un petit peu le marché, tu as dû le voir, il y a eu une sorte de renversement c'est-à-dire que un, le Bitcoin a poussé presque aux 38 000 dollars, je crois 37 950, et ensuite ça s'est déversé sur l'Ether, et ensuite ça s'est déversé sur les Alcoins, donc sur les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Et je t'en parlais un petit peu. Peu sur les réseaux sociaux, surtout n'hésite pas à me rajouter sur Insta, Twitter, Canal Telegram et sur ma newsletter. Ça y est, on va battre les 10 000 abonnés sur ma newsletter tous les dimanches. Je t'envoie des pépites, des informations, des astuces. N'hésite pas à t'inscrire, c'est pas trop tard et surtout, c'est 100% gratuit. Mais oui, on a connu une poussée du Bitcoin, ensuite des Alcoins et dernièrement, tu as vu l'Ethereum a passé la barre symbolique des 2000 dollars. D'ailleurs, on va voir un petit peu quelle est cette résistance, quel est le point, on va dire, pivot de l'Ethereum et quel impact ça peut avoir sur d'autres crypto-monnaies sur la blockchain. Ether également dans d'autres catégories. Mais tu vois, par exemple, si on prend le Bitcoin, le truc est quand même assez fou. C'est qu'à chaque fois qu'on a connu des montées, là, tu vois, par exemple, on est sur le graphique des 1 des, des an. Donc, on a connu des montées graduelles. Et la dernière montée là, que tu vois juste ici, elle est quand même assez folle. Et en général, ce qui se passe sur le Bitcoin et sur tout le marché de la crypto, c'est que une fois qu'on connaît cette poussée vers le haut, en général, on a une correction. Alors, tu dois te dire, mais c'est quoi une correction Eh ben, c'est tout simplement une chute. On est monté ici presque aux 38 000 dollars. Et on n'a jamais corrigé, on n'est quasiment jamais allé vers le bas, sauf des petites descentes, un petit peu ici, un petit peu ici. Mais bref, c'est rien sur le marché de la crypto. Souvent, on peut connaître des grosses, grosses corrections. Et pour l'instant, on monte de façon euh, graduelle. Bien sûr, il y a des sortes de petites corrections, c'est-à-dire qu'il y a des petites baisses, on baisse de 2, 3, 4, 5 Mais on va dire sur le marché de la crypto, eh ben, c'est rien. Et ça, j'ai envie de te dire, cette montée graduelle sans connaître de correction, c'est-à-dire de période avec des grosses chutes, c'est hyper... Positif pour le marché de la crypto. Et c'est même un petit peu bizarre. Si on dézoome un petit peu sur la charte, ici, tu vois quand même qu'à la fin, on est monté quand même presque de façon parabolique. Tu vois, là, c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Tu vois, la dernière montée sur la droite, là, c'est arrivé très peu fréquemment qu'on monte comme ça des 26 000 dollars jusqu'à 36 000 dollars. On, on a pris en l'histoire de un mois, et eh ben 36 En un an, on a pris 123 Tu sais, tu as le chiffre en haut à gauche ici. Et c'est quand même assez fou. Ça fait flipper et ça fait un petit peu paniquer. Et surtout, je voudrais te dire, alors oui, c'est hyper positif, mais surtout, il faut faire très attention. Je te parle souvent du RSI, le Relative Strength Index, qui est un indicateur qui montre un petit peu, on est un petit peu en surchauffe du Bitcoin. Mais là, on est en train de stagner autour des 36 000 dollars. Et je t'avais parlé un petit peu des différents paliers qu'il fallait battre dans ma dernière vidéo sur un petit peu le bull run. Je pense que ces paliers, on va les tester, on va les retester de façon graduelle. Mais c'est hyper positif qu'on reste aux 36 000 et qu'on corrige pas. On aurait pu corriger je ne sais pas, à 30 000 dollars, 32 000 dollars, je ne sais pas, même 26 000, 28 000 dollars, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a le gros catalyseur des ETF. Et justement, passons directement dans le vif du sujet sur les ETF, parce qu'il y a une ouverture de quelques jours ici pour valider les 12 ETF d'un seul coup. Et il reste encore quelques jours, je crois à peu près 3-4 jours dans cette ouverture-là. Et donc, on peut encore connaître une sorte de stagnation pendant quelques jours en, dans l'attente d'avoir une validation ou non. On peut connaître une période de respiration, c'est-à-dire une période où en fait le Bitcoin, peut descendre de façon graduelle et une fois que ces huit jours d'ouverture seront expirés, on peut connaître effectivement un Bitcoin qui descend tout doucement mais ça va profiter sur d'autres cryptos et d'ailleurs on va en parler dans la vidéo. Mais cette ouverture des 12 ETF validés en une seule fois, cette théorie là, personnellement moi j'y crois pas parce que je pense pas. Alors oui, je pense que pas mal de vont être validés d'un seul coup. Ma théorie c'est qu'il y en aura 10. Je pense de façon conservatrice 8 mais je pense théoriquement, il y en aura 10, il y en aura deux euh, en particulier comme HDX ici, Franklin ici, tu vois là on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sur les 12, et eh ben je pense les plus sérieux c'est grayscale avec sa conversion Arc, Blackrock, Bitwise, Vanek, Wisdom, Invesco, Fidelity, Valkyrie et ces trois là, hmm, j'y crois pas trop. Bref, on va avoir une validation en lot mais euh, je sais pas cette ouverture des huit 8 jours, enfin à l'époque c'était 8 jours, maintenant il reste plus que 3 4 jours. Personnellement, cette théorie, j'y crois pas mais ça permet d'avoir un marché qui est un petit peu stagnant, parce que tout le monde attend un petit peu cette nouvelle-là, et possiblement qu'on connaît une validation. Tu vois comment ça stagne ici, ça c'est ultra rare sur le marché de la crypto, c'est hyper bullish, c'est hyper positif, mais faut s'attendre possiblement à une correction. Je te dis, à chaque fois qu'on monte de façon un petit peu euh, parabolique en période de pré-boulogne, il y a toujours une correction. Donc justement, la stratégie, c'est ici de ne pas paniquer, de pas céder au faux mots. Le faux mot, c'est le fear of missing out, la peur de rater le train et le fait d'investir au plus haut. Il y a des personnes qui me disent, tiens, est-ce que tu penses que c'est intéressant d'investir maintenant ou que c'est trop Eh ben j'ai envie de te dire en trois mots, DCA. Répartir ton portefeuille, mettre 5-10% ton portefeuille, pourquoi pas en crypto monnaie à tes risques et périls, un investissement qui est risqué. Je suis pas un conseiller financier, je dis pas ça comme ça juste pour me protéger, mais c'est juste un disclaimer que une personne qui n'est pas dans la finance, qui n'a pas de diplôme comme moi qui est juste une personne lambda doit le faire à la fois pour protéger moi ma responsabilité mais également les personnes qui souhaitent investir. Et je sais qu'il y a des personnes et c'est un petit peu dommage en fait qui investissent avant de s'éduquer dessus, de comprendre comment ça marche et les personnes vont tout simplement regarder le prix, vont regarder que les prix montent et investir sans connaissance de cause. Donc éduque-toi, c'est hyper important. Avant d'investir dans la crypto-monnaie, ça reste de l'investissement. Ça reste un investissement euh, risqué, d'autant plus avec la crypto. Mais la bonne news du jour, c'est qu'on connaît une période de stagnation ici parce que tout le monde s'attend à voir ces fameux ETF. Donc, justement, je te disais, il te reste deux mois tout simplement parce que la deadline de la validation des ETF, eh ben, c'est le 1er janvier 2024. Tu as la date ici. Et à mon avis, ARK Invest de Katy Wood va être validée. Et donc... Je vois pas une validation d'ETF après cette date-là. Donc, je pense qu'il va avoir un lot qui va être validé et donc il reste deux mois. Deux mois où, en fait, le cours de la crypto peut vaciller vers le bas, stagner, monter légèrement et au moment où ça montera, je sais pas, de 5, 6, 7% graduellement et tu verras un petit peu, sortir un petit peu de cette stagnation, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se trame quelque chose. Possiblement, il y a des personnes qui vont trader avec effet de levier. Personnellement, moi, je me risquerai pas là-dessus. Mais en tout cas, si tu vois euh, une courbe qui monte de façon bizarre, graduelle, petit à petit, ça stack plus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe parce que forcément ça va fuiter au niveau de la sec ou autre, au niveau de BlackRock, et ça va monter, et ça va être forcément bullish ici. Mais il reste deux mois avant cette validation, et pendant ces deux mois, on peut connaître une fameuse stagnation, une petite montée, on peut connaître également une correction, mais à partir du moment, et ça c'est hyper important, à partir du moment où il y aura une validation des ETF Bitcoin Spot, alors souvent on dit buy the rumor, sell the news, donc acheter la rumeur et revendre la nouvelle. Et personnellement, je ne pense pas que cette expression va marcher sur les ETF parce que je pense que au moment où il y aura la validation des ETF, eh ben, le Bitcoin peut péter des résistances assez facilement. Là, aujourd'hui, on est aux alentours des 36 000, 37 000 dollars. Je pense qu'on peut connaître un Bitcoin à 45 000 ou beaucoup plus haut. Et il y a même une théorie, je t'en parlerai dans une autre vidéo. C'est pour ça que je pense que c'est important de liker, t'abonner et surtout déclencher la petite cloche pour recevoir une notification de mes Dernière vidéo, c'est hyper important. N'hésite pas à le faire. On est de plus en plus, on est près de 300 à 400 abonnés par jour. Ça montre un engouement pour la crypto, mais on n'est pas en phase parabolique. Et je vais t'en parler d'ailleurs juste après. Mais je pense qu'on a encore cette période d'ouverture avant la validation des ETF Bitcoin Spot. Et là, je pense qu'on va avoir une montée parabolique, peut-être une légère correction derrière. En tout cas, il va y avoir beaucoup de volatilité. Mais je pense qu'ensuite, après quand BlackRock proposera euh, le TF Bitcoin Spot et à leurs clients en fait d'investir dans le Bitcoin, eh ben ça va monter comme on l'a vu avec l'or. En tout cas ça c'est ma théorie de façon graduelle sur plusieurs mois, plusieurs années. Et qu'en ce moment c'est peut-être ta dernière chance pour investir. Investir comment? En DCA, je t'ai fait des vidéos, je te les mettrai en description comment investir très facilement, très simplement, à moindre frais. En DCA, je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Et je te parlerai de la plateforme BitGet qui te propose donc déjà un, un bonus et deux d'investir en DCA. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on parle de l'ETF Bitcoin Spot. Mais ce n'est pas simplement le seul actif parce que tu l'as vu, BlackRock a déposé également un dossier d'ETF et on va parler un petit peu de cette charte-là euh, juste après, mais a déposé un dossier d'ETF également pour l'ETH. Alors ça fait ETF. ETH, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, il s'intéresse également à l'ETH. Donc, il prépare déjà le fait que le bitcoin, l'ETF, bitcoin spot sera validé et il prépare déjà le terrain pour l'ETH qui est l'Ethereum, tu sais, la deuxième crypto monnaie qui a un système complètement différent. Il y a plusieurs projets d'ailleurs qui sont dessus. On va en parler justement. Si tu sais pas dans quoi investir, pourquoi et eh ben ça sera intéressant d'investir dans l'Ethereum et toutes les cryptos qui sont liées à Ethereum et on va voir lesquelles en particulier. Mais on avait parlé de Ark Invest qui s'intéressait en tout cas qui avait déposé surtout un dépôt de dossier pour l'ETF ETH et BlackRock l'a fait dernièrement avec le iShares Ethereum. Et donc, possiblement, on peut avoir une validation des etf bitcoin, mais ensuite des validations des etf eth spot. Et c'est une théorie que je te parlais depuis maintenant quelques semaines, comme quoi et eh ben il y aura un intérêt sur le bitcoin. Ensuite, ça va se déverser l'intérêt sur l'ETH parce qu'il y aura également un ETF ETH et ensuite sur les altcoins. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais suite à cette nouvelle-là, le fait que BlackRock s'intéresse à l'ETH et déposer son dossier, ben, l'Ethereum a passé la barre symbolique des 2000 dollars pour un Ether ici. Et on va voir d'ailleurs quelles sont les différentes résistances à péter. Mais tu vois, les 2000 dollars, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas brisés. Et tu vois, là, on est confronté à une nouvelle résistance. On va regarder ça exactement et on va réfléchir également quel serait le potentiel impact d'une de, euh, validation des ETF, ETH. Mais si tu regardes sur la ligne bleue justice, Ici, on a ici une résistance qui était à l'époque un support et tu vois cette résistance allait aux alentours des 2126 2150 et là on est assez proche hein. on est à 2070 euh, dollars de 1 Eth mais pourquoi cette résistance ici parce que ici c'était un support donc en fait on a tapé euh, ce support là on est remonté plus haut et, et puis là c'était en période de bull run je changé de couleur ça sera beaucoup plus simple de voir mais tu vois ici c'était un support ici c'était une résistance on l'a cassé vers le haut on a testé le support on est reparti euh, plus bas et ici Ici, on a cassé euh, facilement, en fait, finalement, ce support-là, qui s'est ensuite transformé en résistance. Ici, 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 et là actuellement, on est confronté à cette résistance juste ici. À partir du moment où je pense, eh ben, on cassera cette résistance, eh ben, là, on passe dans une autre sphère. Et donc, c'est pour ça que je te dis, et je te disais, je crois, il y a quelques mois, quels étaient mes top 3 crypto D'ailleurs, on va revenir un petit peu là-dessus. Eh ben, c'était Bitcoin, Ether, et ensuite Polygon. Polygon, c'est très lié à l'écosystème Ether. Je pense que ça va être une crypto et on. On le voit depuis quelques jours, il y a un intérêt vraiment flagrant pour Polygone qui peut complètement percer parce que c'est lié à l'Ethereum. C'est beaucoup plus scalable, c'est beaucoup plus rapide euh, comme blockchain que Ether qui est très très cher. Bref, ici une résistance hyper importante à casser et je pense qu'on va la casser assez facilement. En tout cas, dans les prochains jours, on va la casser si ce n'est au moment où tu vas regarder cette vidéo-là. Et quelles répercussions ça peut avoir sur certaines crypto-monnaies. Mais avant de continuer cette vidéo et de te parler un petit peu des crypto qu'il faudra surveiller, dans les prochaines semaines, passons au sponsor du jour. Et tu le connais, c'est NordVPN. Et NordVPN, tu sais, et eh ben ça permet de te localiser autre part Ça permet également de chiffrer toutes tes activités en ligne et donc de sécuriser ton réseau que tes données en faites soient pas partagées à n'importe qui. Il y a également une protection anti-menaces qui elle reste activée même lorsque le VPN n'est pas actif. Et donc cette protection anti-menaces et eh ben permet en fait de protéger ton ordinateur du téléchargement de fichiers ou du document malveillant, donc qui pourrait comprendre la sécurité de ton ordinateur mais également de protéger contre les sites de phishing ou encore les trackers web qui permettent en gros d'accéder aux informations à tes données personnelles mais c'est pas tout il ya également une fonctionnalité de dark web monitor donc en gros un moniteur qui permet de, de savoir si un mot de passe ou des mots de passe ont fuité sur internet et donc le dark web monitor et eh bien t'alerte si jamais ton mot de passe a fuité quelque part et justement pour sécuriser tes mots de passe nord vpn propose également nord et NordPass et eh ben c'est un gestionnaire de mots de passe qui permet de gérer tous tes mots de passe de façon sécurisée, automatique, hyper simple. Et donc NordPass est inclus en plus de NordVPN dans le pack Nord Security. Et si tu veux en profiter, et je peux que te recommander de sécuriser ton ordinateur et ton téléphone portable parce que tu as droit jusqu'à six appareils. Et eh ben avec mon lien nordvpncom slash roman eh ben tu as quatre mois offerts si tu prends un abonnement d'un an ou deux ans. Et ça c'est exclusif à ma chaîne et aux abonnés et ce jusqu'au 29 novembre. Tu as mon lien en description ou tu as le lien qui s'affiche ici, nordvpn.com slash roman. Quatre mois offerts et tu 30 jours de satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que tu peux te faire rembourser si jamais ça te plaît pas. Et tu peux même payer en crypto. Ça, c'est la bonne news. Donc voilà, n'hésite pas à sécuriser ton ordinateur et tes données, surtout si tu es dans la crypto. C'est hyper important. Et merci encore à NordVPN de soutenir la chaîne. Et repassons à la vidéo. Eh ben, on va le voir tout de suite sur CoinMarketCap. Quels sont ces cryptos liés à Ethereum Alors, c'est très simple. Pour le savoir, en général, lorsque Ethereum monte, eh et ben toutes les cryptos Basé sur la blockchain Ether, monte. Si tu vas sur CoinMarketCap, et eh bien ici, tu as l'écosystème Bitcoin, donc c'est-à-dire toutes les cryptos qui sont liées à Bitcoin, mais tu as également, si tu vas, alors là, je suis sur iPad, c'est un petit peu plus difficile, je n'ai pas l'habitude de voir là-dessus, mais si tu vas par exemple dans catégorie juste ici, et tu vas sur Ethereum écosystème, ici, tu as toutes les cryptos liées à Ethereum, donc tu vois par exemple, tu as le DAI, tu as le Shiba, tu as Arbitrum, Mantle, tu as Engine, donc eux qui sont dans le gaming, qui peut être une narrative également euh, Hyper intéressante. Bref, tu as toutes ces cryptos là qui peuvent possiblement profiter du fait que l'Ethereum monte et en tout cas casse cette résistance là et donc ça peut être assez intéressant euh, d'investir sur ces projets-là. Et il faut le dire, hein, l'Ethereum est souvent la crypto oubliée en ce moment et depuis des semaines et quelques mois. Pourtant, c'est une crypto hyper intéressante dans laquelle j'ai investi de, de façon régulière en DCA. Je crois que lorsque j'ai commencé à investir dans l'Ether, et eh ben il était à 120, 150 dollars à l'époque, ça semble complètement fou et maintenant il est à 2000 dollars. De l'Ether. Parce que comme je t'avais montré, il y a différentes résistances à péter, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit encore sur Ether. Donc c'est encore intéressant de se placer là-dessus. Et c'est des placements plutôt sûrs. Bitcoin, Ether, c'est plutôt sûr. Le reste, ça peut sembler un petit peu de la loterie. j'en je t'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur les altcoins qui a fait un carton. Merci à toi d'ailleurs. Toutes les personnes qui commentent. J'essaie de répondre à tout le monde en message privé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça explose pas mal. Mais justement, pour faire une sorte d'aparté et te parler un petit peu de mon expérience personnelle en tant que créateur de contenu. Forcément, en ce moment, et eh ben il y a beaucoup plus de vues qu'il y a quelques mois il y avait un gros désintérêt sur la crypto l'intérêt est en train de revenir mais je pense qu'on est seulement au tout, tout début déjà. Et eh ben si tu regardes un petit peu la courbe, et je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, ici les statistiques sur les cryptos, donc tu vois, le Bitcoin on est quand même encore à moins 50% de son record de prix à 69 000 dollars, l'Ether 58%, XRP euh, 82%, BNB 65%, on est encore dans le négatif, vraiment dans le dur, dans la plupart des cryptos, Solana on est encore à 80% malgré sa dernière montée à 50 dollars, euh, Cardano on est encore à 88%, et il y a un indicateur qui est assez fou, c'est que tu t'es posé la question sur Twitter, savoir dans quelle crypto eh ben, tu pouvais conseiller d'investir, dans quel projet tu t'intéressais. Et donc, je t'ai demandé un petit sondage. Et malgré le fait qu'on soit 100 000 sur Twitter, eh ben, j'ai eu quelques réponses. Alors, j'ai demandé d'avoir des réponses, pas seulement d'un nom, mais avec un, euh, une argumentation qui soit construite. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Et ça, c'est un indicateur important. À l'époque, en période de Boulogne, eh ben tu avais des centaines, voire des milliers de commentaires et des personnes qui balançaient leur nom de projet. Et ça n'a pas été. Le cas, alors peut-être qu'on est devenu sage, mais je pense qu'on est encore très peu nombreux dans l'écosystème et qu'on n'est carrément pas en période de bull run. Et comme je te dis et comme je te répète, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un intérêt dans le bitcoin qui se déverse sur les terres, ensuite sur les altcoins, ensuite les shitcoins, ensuite les mêmes coins, et là c'est le moment de revendre. Donc si tu te poses des questions, et eh ben il y a des indicateurs qui sont hyper importants. et En ce moment, on n'est pas encore dans cette période d'euphorie, justement. D'ailleurs, les personnes qui disent est -ce que c'est trop tard d'investir là-dessus, au moment où je te parle, et eh ben le bitcoin chute légèrement, mais ça c'est tout à fait normal. Normal, c'est même sain, c'est d'aller chercher des liquidités plus bas. Et surtout, au moment où ça chute, eh ben, je me dis, tiens, je suis content parce que je rachète plus bas avec ma stratégie de DCA d'acheter tous les jours. Peu importe le prix, peu importe la couleur du marché, mais une correction, on va dire, elle est saine. Si tu es dans la crypto et tu n'es pas prêt aux corrections, eh ben, tu n'es pas prêt à investir dans la crypto. Et limite, vaut mieux te mettre dans un autre actif. Mais voilà, il faut avoir le mindset. Le premier, c'est de savoir que la crypto, il y a forcément des périodes où ça chute. Et la deuxième chose, c'est que lorsque ça chute, eh ben, c'est encore plus intéressant d'acheter si tu mets une stratégie en place comme le DCA ou si tu veux acheter moins cher. Donc ces deux choses-là, c'est hyper important. Donc tu vois, par exemple, là, on est à 36 500 dollars. C'est encore très haut. Il y a des personnes qui vont dire ouais, on est passé de 37 000 à 36 500. Oui, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Si on chute à 25 000, ok. Et encore, et eh ben on va chercher plus bas pour que les gens ils puissent réinvestir et repartir plus haut. C'est normal. C'est le marché de la crypto, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est tout à fait normal. Et si tu veux te faire du bien un petit peu mentalement, c'est de regarder un petit peu en dézoomant, un petit peu sur la carte. Et tu vois, là, on est quasiment sur un encéphalogramme plat qui est hyper père positif pour le Bitcoin et si on dézoome sur un an et ben on a des périodes de montée des périodes de correction c'est ça le Bitcoin et si on dézoome sur cette charte là c'est encore plus flagrant mais on est quand même tombé aux 15 000 dollars tout en bas ici et pour remonter à 36 600 donc on a fait pratiquement on a fait plus d'un fois deux en l'histoire de un an, même pas. Et dans une autre vidéo, je vais te préparer une autre vidéo si il faut s'attendre à un ATH, c'est-à-dire un étage du Bitcoin, c'est-à-dire un record du Bitcoin au moment des ETF. Et je vais te parler de différents graphiques dans cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à liker, surtout à t'abonner pour être au courant de cette vidéo-là. Si il faut s'attendre à un nouvel ATH avant le halving, au moment de l'annonce des ETF, je vais te donner des statistiques très précises sur cette possibilité-là. Mais, mais pour parler un petit peu des prémices justement de cette vidéo-là. Eh eh bien, regardons et eh ben ce graphique est hyper intéressant parce que je te parle souvent de l'offre et la demande. En ce moment, le prix du bitcoin, tu vois, euh, c'est la courbe noire ici, et la courbe jaune, et eh ben c'est le nombre de bitcoins qui sont sur les échangeurs, donc Binance, bitgate euh, Bybit, etc. Tous ces échangeurs là, et eh ben tu vois que le prix du bitcoin monte et le nombre de bitcoins disponibles et donc à l'achat et à la vente est en train de baisser. Ce qui n'était pas le cas. Finalement, si tu regardes un petit peu 2018, ici, je vais prendre une. Autre couleur, tu verras mieux. Tu vois qu'ici le nombre de bitcoins sur les échanges montait et le prix du bitcoin ici montait et était corrélé. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une sorte de pression ici vers le bas du nombre de bitcoins disponibles, qui a un impact forcément sur le prix ici. Donc, avec le principe du halving, dont tu connais, et je t'en ai parlé plein de fois sur, sur la chaîne, et eh ben, ça a un impact sur l'offre. Donc, il y a beaucoup moins de bitcoins qui sont disponibles, qui sont minés parce qu'ils sont minés deux fois moins. Ils sont deux fois moins disponibles et donc il y a une pression sur le prix, forcément. Donc le prix monte parce que le nombre de bitcoins disponibles, dû au halving, baisse, mais également le nombre de bitcoins disponibles et qui sont sur les échangeurs, ce qui est plutôt sain. Et ça, ça a eu un impact à cause de FTX. Tu vois, on est à peu près dans cette période là, novembre 2022. Ici, en gros, le nombre de bitcoins sur les échangeurs était un petit peu en mode stagnation ici, et après, on a connu une chute ici. Alors peut-être que c'est dû aux créateurs de contenu qui avertissaient comme quoi les échangeurs c'était simplement pour échanger. Des cryptos, et à partir d'un moment, et eh ben c'était intéressant, et eh ben d'enlever ces cryptos et de les mettre sur un call wallet, euh, de les mettre en sécurité et de posséder sa clé privée. Et c'est peut-être ça qui a eu un impact. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que FTX a fait du bien? Pas forcément parce que ça fait beaucoup de mal, mais en tout cas, ça a permis de mettre les choses en perspective et surtout d'avoir une gestion saine de son portefeuille. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a moins de bitcoins qui sont disponibles et ça a un impact sur le prix ici. Et donc, je te disais, tu as une ouverture de deux mois, deux mois pour faire du DCA à mon avis pour acheter la crypto et à partir du moment où les ETF seront validés et eh ben je pense que ça sera limite trop tard ça sera encore tôt mais ça sera trop tard par rapport à aujourd'hui donc si tu veux t'intéresser à la crypto c'est aujourd'hui mais surtout éduque-toi va voir mes autres vidéos là-dessus et les différentes stratégies comment acheter simplement sur quelle plateforme tu as différents liens en description tu as Bidget également euh, Swissborg qui propose actuellement avec différents bonus ici de, bah, de tout simplement de télécharger une application d'acheter par carte de crédit ou que ce soit par virement Bancaire, c'est ultra simple aujourd'hui d'acheter de la crypto. J'ai différents tutos sur ma chaîne. N'hésite pas à voir les différents bonus en description en bas avec les plateformes que moi j'utilise personnellement et qui sont hyper simples. Tu disais, je te mettrai les liens en description comment acheter facilement et à moindre frais. Bref, je pense qu'en ce moment c'est le moment d'acheter et encore pendant deux mois. Ça se trouve, ça peut être validé la semaine prochaine et on n'aura pas cette ouverture des deux mois. Mais je pense qu'à mon avis, c'est pas trop tard d'acheter et on peut très bien connaître une correction dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, cette semaine va y avoir le CPI, c'est-à-dire l'inflation. Les chiffres de l'inflation, mais sache que si on connaît une correction, si le prix baisse, et eh ben c'est peut-être une meilleure opportunité d'acheter moins cher et de lisser un petit peu son prix d'entrée parce que je pense que beaucoup de liquidités qui étaient sur Bitcoin vont se déverser par la suite sur ETH et ensuite sur les autres crypto-monnaies liées à l'Ethereum et également les Alcon dont je t'ai fait une vidéo tiens à voir sur ma chaîne et si on regarde un petit peu justement cette théorie là, et eh bien le Bitcoin ici on connaît une dominance à 50,9% à le chiffre juste en haut et une dominance de l'ether à 17,7% donc ça c'est hyper important, la dominance du Bitcoin est en train de chuter graduellement même si je pense qu'au moment de la validation des ETF et eh bien ça peut pumper de façon assez importante parce que justement la part belle sera donnée au bitcoin et ensuite ça va être déversé sur les terres et ensuite sur les altcoins donc voilà mets le mot bitcoin pour montrer que tu as été là tout le long de la vidéo en commentaire n'hésite pas à liker à t'abonner on a un invité très spécial dans la vidéo de vendredi donc soit là qui va te partager des informations hyper croustillantes d'ici là je te laisse avec cette vidéo justement sur le DCA pourquoi investir en DCA est super important surtout va la voir je te dis à bientôt d'ici là porte-toi bien allez ciao